Alors, plus précisément, dans le cas de Washington, alors, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On dit que tu es un salis à l'autre. Pour la Corée, on a un peu de bonheur. Pour la Zoto, on a un peu de bonheur. Pour la bonheur. Alors, puis, bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un peu de bonheur. Sinon, si tu es un peu de bonheur, tu es un peu de bonheur. Pour pas comprendre, ma Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, à Pino Moko, pas pour la Coréenne, Coréenne, à Pédi. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, lundi, premier numéro de Face à Face. Je reçois quelqu'un que vous connaissez certainement, mais je me mettrai quand même à le présenter. C'est vrai que c'est difficile de présenter quelqu'un, parfois on oublie des choses, mais vous allez suivre avec moi. Il s'agit de Madame Marie-Josée Ifokoumpo Tampunga. Eh bien, elle est congolaise, mais elle a grandi, je dirais déjà que vous avez grandi, Madame, en Hollande, en Belgique, et puis vous avez fini vos études à Kabambar. On va dire que c'est une fusion finalement de trois grandes manières, de trois grandes écoles, on va dire, en Hollande, en Belgique et puis à Kabambar. Et puis après, vous êtes déjà qu'il faut rappeler que vous êtes la fille de Monsieur Thomas Ifokoum Tangué, qui était un diplomate en Algérie. Donc vous avez quand même grandi dans ces rouages politique, de diplomate, et vous allez poursuivre vos études, vous étudiez le pouvoir et l'administration à Paris 8, vous allez à l'université au Québec, où vous faites encore une fois l'administration, vous sortez comme mobilier, comme agent mobilier, je crois, mobilier au Canada encore. Agent de conseillère en vente. En vente. C'est ce que j'ai fait le plus dans ma vie, quand je me suis retrouvé dans ce métier-là un peu par ouais. Et lorsque vous revenez au Congo, vous travaillez avec General Motors, Trafic, quelque chose comme ça. Mais alors, dites-nous, comment vous expliquez ce parcours dans une femme? Est-ce que ce n'était pas des portes fermées finalement? Est-ce qu'on ne vous indexe pas pour dire que cette femme a beaucoup étudié, il faut vraiment s'en méfier quoi? Non, je ne verrais pas les choses de cette manière-là. Moi, je dirais plutôt, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais. Moi, quand je parle de tout un chacun, je voudrais faire comprendre au peuple congolais, hein, d'abord, qu'il doit se connaître lui-même. Et il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui. Toutes les personnes qui me connaissaient de cette époque-là savent que maman Marie-Josée Azalaki, Ndengwana Bandaka, on peut parler en lingala et en français, quoi. Donc, j'ai grandi comme ça. Donc, la plupart des grands frères, des aînés avec lesquels on avait grandi quand on était jeunes à Kitambo, moi je viens de Kitambo, savent que quand ils m'ont vu même aller poser ma candidature, ils ont dit « Ah, c'est normal de la part de Marie-Josée parce que c'est en elle. » L'ambition, vous l'avez déjà. Mais non, vous j'avais pas l'ambition. Ah, d'accord. J'avais pas l'ambition. Donc, le combat de la justice. C'est le combat juste de la justice. Est-ce que vous avez été modélé par votre père? Bon, naturellement. Naturellement. Naturellement, puisque j'étais dedans, j'étais déjà tombé dedans comme Obélix, dans Astérix. J'étais déjà dans la marmite. Alors, c'est vrai que il faut rappeler aussi que tant au Tanguy, classe sur la Nyoso, tant au Zongi na Congo, en 2014, on va dire en 2015, quand on s'est sorti Nayo à Mounene, il fallait que tu aies dit commissaire spécial adjoint de la province. Moi, on a vu ça en Boka. Moi, tout n'a pas été. L'île Kanisia AENC et outil Wana, tant au Mouni, Bassi Yabato, Konyo Kama Yabato, Nde Okeli, mouvement Wana, Topé mouvement, Okeli, qui est en train de faire la Poto, tant qu'on a fait la je veux dire, na Hollande ou bien na. Na Québec. Il y avait quand? Na lingina corriger le bosso, nga la zongi na 2015 té. Nga la zongi Kinshasa depuis 2004. OK. En 2004 ou 2003, je n'ai pas une date ferme puisque na zosa la bava et vient. Donc ozonga na zongi na travail na privé, na recommencé qui vit nga à zéro. Ah na Congo, na travail na évolué na privé principalement. Kozala na posa kokota na politique ezali tango na zo rencontré ba politicien na musala na ngale na zoteka ba mituka na zaki conseillère en vente na comme directrice commerciale directrice jusqu'à directrice générale il y a ba entreprise moko il y a ba paya
Et tant qu'on a écouté un abat politicien à Bissot, au moins, si on a un souci à Batou, on a la nature, on a expliqué que nous avons un souci à Batou Bandakala. Et ceux qui nous ont dit, nous avons trouvé la réponse à la question. Donc, nous avons se rendre compte que souci à développer, par exemple, Boka et Zate, nous avons un souci plutôt à cause de la pouvoir. Et nous avons dit que nous avons une politique dans la télévision. Nous avons été trop pris dans ça. Mais c'est à travers mes rencontres avec les politiciens à Bissot que nous se rendre compte que bah ça a souci à quoi développement et souci na bangoka kaka kozwa bokonzi kozwa bokonzi kozomba ndaku kozomba mutuka kobala basi. Donc le peuple est totalement oublié. Alors et comment que le Congo est comme kotungi sangai. Alors il est important d'expliquer que tant qu'on a zongi na Kinshasa au moni batyo na Kinshasa basambela ngai pe na landa ki lokola bande konanga bazoke ne prier ndé na bandi kozonge la kosambela na Kinshasa et tant qu'on a bandi kosambela parce que c'est important dans la vision na ngai outil na chrétienté. Tant qu'on a zoka maté ya on a zolanda et Jean 3:16 le baka que le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais dans 1 Jean 3:16, alors il y a peu muto sosoli, il y a peu muto botami de nouveau, il y a peu il faut linga baninga de la même manière de telle sorte que oye bakomi bosse na pona intérêt na bango. Donc, c'est important que le peuple a comprendre que kokote à maman Marie José na kati ya politique ça base nango yango na. Donc, naza une politicienne classique té. Naza mutazo weli sate ya kozwa bokonzi susi ngeza li peuple abima na kati ya libulu azana ngona kati yango ne kozala importance qu'on a expliqué yo to uteli wapi na ANC na ANC oui. ANC ANC alliance des élites pour un nouveau Congo. Élite na biso na c'est écrit en petit, c'est un petit e pour dire que tout le monde est élite. Mutunyo sa ko apporter brique na pona kotonga ndako a munene biso to bengi la République démocratique du Congo qui est présentement en ruine. Alors pour na biso il fallait te réfléchir. Tout le sacré, tout le cateau soit bon. C'est parce que si c'était pour Nazala, un ministre ou même comme un député, je pouvais. Non seulement les capacités sont là, et puis Nazala très populaire et pas Nabisson à Tchapa. Pour moi, Moussala Moukena Salaka, Tilelo, peuple à réclamer Kangaï. Donc, ceux qui n'ont loué qu'à Bokonzi pour le Bokonzi, je pouvais déjà être ministre. Mais moi, ce n'est pas ça ma démarche. Démarche, c'est la ligne peuple à Yokanga à comprendre. Vision Nabisson et à ANC Zali, la rupture du système de prédation par la combolisation. Rupture dans le système des animes. Dès qu'on explique au peuple que, et Banda depuis Mokolotobo Tamaka, Congo indépendant, le 1er juillet 1985. Donc, Kobotama na biso en tant qu'un pays, et où est-ce qu'il y a biso ba Congolais, et où est-ce qu'il y a conférence à Berlin. Donc, les Européens, ils sont 14 pays à peu près, ils sont sans biso. Sans biso. Ma solo la politique, ils sont toujours sans biso. Ma solo la bombe, ils sont toujours sans biso. Alors, bref, va décider que ma kabola en Afrique un peu neti ba morceau ya gâteau et Congo et se retrouver dans maboko ya Mutumoko qui était le roi Léopold II. Donc n'était sans au comprendre mboka munene boye 2 345 000 km² et se retrouver dans Mutumoko as propriétaire non seulement ya ba ressources nango na bateau bazana kati na bateau bazana kati. OK. Donc bref, tokomi baumbu ya batwana. Donc mais en 1908, très vite pour sauter, bazong sibso na maboko ya royaume ya Belgique et Belgique a comme le rôle garant ya bamboko na msusu ya Europe. Donc et leur union so pour salama na Congo, il faut les capar la Belgique. OK? Alors, est important que le peuple a comprendre que insurrection na ye kanda na ye, révolte na ye en 1959 et obligea ki ba belge ba fanda ba so la pena bateau ba zagina sima na bango ba lo bateau so to pesi bango bokonzité et ko simba te to lâcher. Tout ce qui est la banque politique, mais bah, l'achat qui est parti économique. T'es. Et c'est important que le peuple comprenne parce que Mabé bandit déjà personne en indépendance parce que politique est quoi au temps de sans économie. Parce que politique est allé non seulement pour organiser, pour diriger toute une cité, mais il faut être en économie parce que c'est là que viendra le développement. Or, Bissot va céder Bissot à la politique. Il y a un constaté cette politique n'a besoin de ramakélé. C'est creux, il n'y a rien. Zakaka, bateau baligny va garder pouvoir. Donc, bref, dans 1968, indépendance, parce que tu as une pression. Il y a un point important que le peuple congolais fasse sur la Likambouana. Tu as une indépendance avec Joseph Kasavubu comme président de la République. Mais au moment où il y a une période, il y a trouble. Moi, je suis un peu plus de Mobutu apparaît avec les Américains. Donc, au moment où il partage à gâteau et bandit les bossons en Europe, Mobutu a combattu les Américains. Donc, partage à gâteau et il sous mon aîné pour la papaya. Aïe libiso bango, mais n'aligne to retenir et loko moko. Tango Mobutu a commis président, na kote na bo, ya ki africain, ya ki ya congolais, vision na emingezaki l'unité nationale et na authenticité.
yango mona raketi lelo puisque c'était lui qui est le garant de la nation na époque wana loko la belle la ka la parole a une puissance na bien que biso vision na biso fandi sur le christianisme mokilezaki créé par la parole cette parole là qu'il avait libérée l'unité nationale tilelo alors que ba sala ba plan nyonso pendant qu'on détruire biso pendant qu'on kabola biso mais ba réussir té sur ça l'attention malgré que ba bomi biso mais cette parole là est restée en nous et pèse sur notre pays donc souvenir ton corps gardé à Mobutu yango nezaki l'unité nationale. Kabila père Ayé, Ayé sikoyo a même libiso la sous-région. Donc bamboka mususu ya est et côté nakati ya danse. Rwanda particulièrement. Rwanda, Uganda, Bujumbura, donc tous ces pays là ba yé a même bango pona akoya kokwesa Mobutu. Donc c'est toujours par un coup de force que bazone ngaba boto la biso pouvoir. Alors yé parce que gâteau comme ya ko kabula na batebele. Donc le grand système ezalaki ba occidentaux. Le sous-système, Ezali, la sous-région, maintenant, au bazar, continue à partager Gato Nabiso. Et nous, le Congolais, on ne se retrouve toujours pas. Alors, on voit le grand, comment dire, Kabila, Joseph, à côté de la Katia danse. Mais il nous est aussi imposé, toujours par le grand système. Puisque, Topona qui était, exactement, pour papa, Koufi, moi, je suis toujours dans la Katia royauté. Mais Biso, le Congolais, tu fais des cas à Boué, tu as autant à t'accepter. Et là, c'est grave. Bah, imposer Biso, un jeune, aïe, bah, imposer Biso, il y a un pouvoir. Kabila même lui son nini, bah chinois, bah russe. Donc la zone a démontré au peuple congolais que jusque là. Ça avec Mobutu mais pénétration on va dire mais casser le rouleau. Le rouleau l'a c'est pas pareil. Donc la zone a démontré au peuple congolais que le Congo a zan à contrôle n'angoté. Le Congo est contrôlé n'importe par le méga système et puis le sous système qui est la sous région et aujourd'hui. C'est important dans le Balikambu il y a alternance oyo tout ce qu'on vivre. Alternance au total vivre, bison la vision, la vision de début à rupture, il y a système. Pourquoi? Parce que l'avènement au pouvoir en général est outara toujours par le méga système. Mais cette fois-ci, moto a dirigé bison à outil par le méga système T. Alors, et créé, et fait réussir, vision, il y a président Kabila Joseph, ouais, Zakoloba, non-ingérence. Donc, à organiser l'élection, c'est vrai chaotique, mais avec nos moyens, et Nabiso Moka, on a des ordres, Nabiso, et moi qu'on a biso à l'équipe. Et quand biso a une cette zone gâteau sensibiliser peuple que nous ces zones les canambo qu'on a biso et là comment qu'on a vrai exacté et là comment qu'on est assis pour notre tongambo qu'a exacté. Problème ils ont se poser aujourd'hui c'est qu'il y a un groupe d'individus qu'on appelle le FCC. Bango va comprendre les enjeux politiques, va comprendre le système dont ils ont fonctionné et Bango va se constituer en sous système nakatiamboka. Et c'est ça le véritable problème. Parce que, en étant. Vous voulez dire quelque chose? Non, allez-y. Ah, ok. En étant devenu le sous-sous-système, il n'y a pas que ce n'est sous-souté, na bato babo tarabiso. Parce que Yep a commis prédateur, Yep a commis le col à un modèle de colon, tout en se cachant derrière la démocratie. Donc, la démocratie dont on parle ici au Congo, et ça, Babylon, mon capon, on ne sait plus ça l'ordre mondial. Hein, tu as dit que. Oui? Oui, oui. Alors, je voudrais qu'on évolue toujours dans la même logique. Avant d'en contre, ma question, je vais dire, plus fondamentale, je vais dire combo. Donc, combo est dans la couleur à drapeau. Ou bien, le bac qui a le terme, combolisation. Alors, combolisation, c'est quoi exactement? C'est quoi le fond des messages? Voilà. Fond, il y a un message, Nabiso, tozo linga que, to kende vers une renaissance. Ouais. Mais pendant qu'on est vers une renaissance, le peuple doit être combolisé, il doit être nettoyé. Donc, il y a mon nana bota ma liboso. Il y en a l'air tous eu combo yo, raison liboso à combo, ils allient un nettoyage personnel. Donc, c'est un symbole, il y a propreté. C'est un symbole, il y a nettoyage. Donc, yo moko, en partant de moi, qui en suis la visionnaire, il faut que ngamo nazo sala nettoyage sur ngai, perpétuellement, puisque le nettoyage doit continuer tout le temps. Donc, une fois que nous avons compris le message, on a comme les membres de l'ANC, les élites, bazar combolisé, but, enfin, travail, il faut nous conscientiser et sensibiliser le peuple congolais. C'est ce que je suis en train de faire. On a, on peut se nettoyer. En fin de compte, il y a un changement en mentalité. Okay. Alors, troisième point, l'unité. Au moment où il y a combo, ce que vous yomoko, ça devient facile pour pas briser. Yo. Mais ceux qui t'osent est belé, au moins que c'est possible de briser biso. Donc, troisième point, l'unité nationale. Quatrième point, au moins les rios allaient comboliser, aux allaient nettoyer, aux allaient sensibiliser. Baninga combo yo, dans la Bible, moi, soit à Bungisaka, pièce naïe, allaient quelqu'un qui est perdu, à ceux qui combo, pour qu'ils nous récupèrent. C'est un modèle de Jésus-Christ. Oyo, et au kumba biso, quand tu es au botami asika, au kumiko kendeko, qu'on évangélise, qu'on sensibilise, bah, n'y a pas beaucoup de choses. Oh, bisous, ça, là, si, qu'on dégage dans le canal TV, pendant que le Congolais, problème, ils ont expliqué, bien, non. Et au finish, cinquième point, n'a pas eu, ils ont dit, qu'on kendeko soit pouvoir.
Parce que bis to déjà combolisé, to comprendre problème les de Kanamboka et une fois que tu reçois pouvoir, to tambola ndenge singeli parce que to comprendre de vérité que to zanaka tanda ko moko o ezali akokufwa, to zanda ko moko o ba fenêtre déjà ezate, ba porte ezate, to salaka bibamba chaque jour et donc nous qui avons compris, qui avons changé de mentalité, to koki maintenant ko buka totalement d'Akwana et Tokendeko déclarer un nouveau Congo. Donc c'est un peu ça la combolisation. Alors, revenons à la politique psycho et combolisation. Mmh. Vous avez travaillé dans la FCC une partie de votre vie. Mmh. En ce moment-là, FCC est acquis bien. Non, FCC d'abord, ils ont coexisté, il y avait la majorité au Parlement de l'époque. Bon, il y a beaucoup de gens, non, c'est pas la même personne. Beaucoup de gens de l'opposition sont entrés dans le FCC. De l'époque, quand moi je suis entré, il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'opposition qui sont aujourd'hui dans le FCC. Donc voilà, je m'explique. L'opportunité qui m'est venue de me retrouver à travailler avec la majorité parlementaire présidentielle de l'époque, Ngai Nazaki candidat, comme l'herbe a démembré en 2015. Il y a eu démembrement des nouvelles provinces. J'ai posé ma candidature comme gouverneur de province. Tant qu'on a posé candidature, au Ibimbo Kanabison d'Abaventure Nango, pour des raisons pas claires, élection et salami sous-souté, décidé de nommer ma commissaire spéciaux. Na longo pe passe Nazaki Kuna na Chopa, c'est la première fois pour moi d'aller à la Chopa. Et na zongi na kisha na continue musala et baye ko contacter ngai pona bazoluka basi pona ba nommer bango comme des commissaires spéciaux. Je n'étais pas dans un parti politique et cette opportunité là les rayelinga, je me suis dit pourquoi pas, comme ça on va comprendre bien comment les choses marchent. C'est en entrant dans le système que nous allons mieux saisir la réalité ya système wana. Donc je me suis dit pourquoi pas et c'est comme ça que j'ai été nommé commissaire spécial adjointe. Très vite, 4 mois plus tard, il y a eu des élections. Et Nazaki vice-gouverneur avec un gouverneur du PPRD. Mm. Mais très vite, Bako essayé pour détournement pour plusieurs raisons. Bako Essienga a assumé intérim une année. Mais l'air n'a assumé intérim une année. Makambo Ngana Moni, en tant que gouverneur, Nazaki estomaqué parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'État. Avez-vous fait allégeance à Kabila ou non? Jamais. Essayez de voir toutes mes. D'abord, je n'ai jamais vu rencontrer Kabila, comme je vous vois là, jamais. Et deux, vous pouvez suivre tous mes discours. Je suis quelqu'un qui vient profondément de la diaspora. Je suis quelqu'un au hasard combattre l'injustice. Bon, l'air opportunité, Pesamele Moutou. Mais je ne regrette pas. Je ne sais pas la quota parce que ça m'a permis de voir ce qui se passe en réalité. Et c'est ce que je vous dis, il n'y a pas d'État. C'est ce qui m'a permis de vous parler de la vision de l'ANC parce que j'ai compris qu'il n'y a rien. Tout est superficiel. Tout ce qui est fait, ce n'est pas dans le ça. Bapayana Libanda, les grands discours que nous entendons, mais au fond, il n'y a absolument rien. Mais qu'est-ce que vous reprochez exactement au système de Kabila, Joseph? Ce que je reproche à ce système-là, c'est que Bango, Bakomi, Siko, Yolokula, Bakolon. Donc, ils se sont constitués en système. Le système dont je parle de la rupture, du système qui nous a mis au monde, qui abuse de nous, hein, qui nous viole, qui pille nos richesses. Siko, Yolokula, et donc, ils ont ça la passe, c'est que ba congolais bango moko ba se constituer en un système et ce que bango ba comme piller ba congolais. Ça on peut pas être d'accord avec ça. C'est ça que je reproche au FCC ou à Joseph Kabila puisque nous avons bien vu que pendant 18 ans ba Sali Moussala et l'oroni biso tomoni amalonga na 18 ans là. Et l'oroni tomoni absolument rien. Mais ils disent qu'ils ont créé des routes, ba le bipolo bango ba créé. Mais vous êtes journaliste, non? Oui. Bon, ils ont dit entre dire et faire, c'est pas parce que vous avez fait 1 km de route en 18 ans que vous avez fait des routes. Ils disent par exemple qu'ils ont pacifié le pays, ils ont ramené le pays qui était déchiré par 4, par 5, bah donc c'est au placement. Quoi. Et ça, c'est leur mérite à eux. Ils vous ont donné l'architecture de l'État tel que l'État est aujourd'hui, ils vous ont donné la constitution, ils vous ont donné les textes et tout ça. Ils disent ça. C'est ce que il y en a lobby, au lobby bien balobi. Ce que mutasel est loko to constater, azan a besoin lobby sousouté, to constater que loko est salami. Ozo mona que ezali kaka maquillage. Hein mon lebiso basto se maquillage. O se maquiller moi sous na ton l'air lamboko ka moi parce que a lekisi maquillage. Bango bazo sala ka maquillage, ezali tout est superficiel. En fin de compte ezali loko ko landa, makambo ezo sala me pa baninga. Donc, il y a beaucoup à dire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est fait en profondeur, il n'y a rien qui est dans la fondation. Aujourd'hui, le FCC qui a bien compris le système mondial, Yemoko a commis Sikoyo, naïf ce bien prédateur, Yemoko a commis Kopiyembo Kanaye, et en gros, ça la passe. Parce que, Bissou et Bonga qui t'ont s'organisé, t'ont comme un véritable État, et Sikoyo, t'ont banda Kobundana, bato bazali banda de manière, y'a qu'on s'affirmer à travers respect y'a balo en abisso. Hein? Au moins, tu as la balle, il faut te respecter. Il y a un peu de temps la constitution. D'ailleurs, nous avons la porte. Tu as la session budgétaire, c'est quoi, non? Ça, là, bien attention. Le gouvernement a proposé, comment on dit, la loi budgétaire et qu'on a la voter. Mais jamais, au moment d'un parlement, après, à Colandé, la Bango, on a mis ça là-bas. Jamais, au moment d'un que, bilan qu'on va voter,
Ça fait 18 ans ou 20 ans aujourd'hui qu'on est dans cette situation-là. Mais est-ce que c'est juste des questions simples que je voudrais poser. On ne voit pas ça. Mais tout ce petit jeu-là, à la session budgétaire, on voit la session budgétaire, on vote les lois, il n'y a rien qui se passe. On a vu le Premier ministre passer, il présente son programme pour le quinquennat, mais allez lire tout le monde, le grand discours contre la corruption, contre la malversation, contre... Mais il n'y a que ça, tous ces gens-là viennent. Mais dans, pauvres, au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien, on le voit, non? Est-ce que c'est comment dire, c'est un... Nous sommes en 2018. Oui. On vous voit vous présenter aux élections présidentielles. Oui. En ce moment-là, on se pose la question, est-ce que madame s'est trompée finalement de cible? Est-ce qu'elle avait tous les moyens pour aller à la pour devenir présidente de la République dans un pays, je ne veux pas dire misogyne, je ne veux pas dire ça, mais non, dans un pays qui ne donne pas beaucoup de place à la femme? Est-ce que c'était une erreur de calcul ou une stratégie de communication? Ce n'est pas du tout une erreur de calcul, mais plutôt une stratégie de communication, comme vous le dites. Et puis, ça me donne une tribune aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux frapper à n'importe quelle porte, je suis reçu. Mais à 100 000 balles, c'est le coût, c'est 100 000 balles. Oui, mais quand on aime les gens, quand on a une vision, quand on a un souci pour les autres, c'est rien 100 000 $. Vous auriez pu être député. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire, non? Ou sénatrice. Même les députés qui sont là n'ont pas la position que j'ai aujourd'hui. Moi, je peux frapper à n'importe quelle porte, j'irai. Et là, je suis en train de mener des actions, vous allez le constater. Le fait d'avoir été candidat, puisque je vous dis que j'avais compris le système, donc je savais très bien que je n'avais aucune chance de passer. Soit en allant avec un système ou avec un autre. Je vous explique, moi, mon souci, c'est de dire la vérité au peuple congolais. Mon souci, d'expliquer au peuple congolais que arrêtez de rêver. Arrêtez de croire que nous sommes dans une démocratie. Ce sont des discours creux. C'est ça, mon souci à moi. C'est la raison pour laquelle je me suis levé. Ça valait les 100 000 $ parce que ça allait délivrer tout un peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, lorsque vous arrivez, par exemple, candidate, pourquoi avez-vous refusé d'intégrer les rassemblements, par exemple, on appelait ça RASOP, le rassemblement de l'opposition? Pourquoi vous n'avez pas rallié les groupes qui est allé à Genève? Est-ce qu'ils vous ont exclu ou c'est vous-même, le Bodhisattva, qui est au Kota Kounate? Parce qu'on a finalement vu deux groupes de candidats. Il y a Obayaki, il y a Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Bemba Katumbi, et le reste, Bino nous a quitté. Les gens disaient même que vous allez qui acheter par Kabila pour faire le contrepoids. Il y a Batoana ou quand on va boire l'élection, Bino président ou présidente, tout ça. Est-ce que pourquoi ça s'est passé comme ça? Non, nous n'avons pas été conviés na rassemblement, na opposition, na Genève. Ngai na sa qui démarche. Ngai na monara Martin Fayulu. À l'époque, il y avait aussi un autre candidat qui était là, qui est parti maintenant à la BAD, je crois. Oui, Matungulu. Matungulu. C'est les deux personnes à qui j'avais parlé. J'ai dit, mais tout le monde a besoin de ça. Oh, vous voyez que vous assurez que vous avez un bon côté, on a été vérité. Qui n'a pas pris de l'argent là-bas? Ils savent qu'ils sont vrais. Et moi, je fais partie des gens vrais qui n'avaient pas pris de l'argent là-bas. Mon argent ne vient pas de là. Et tout le monde a topona, ils ont refusé. Martin, à l'époque, les deux gens que j'avais vus, c'était les deux. Non. Bango Baza, Kokene déjà. Donc, au moins, déjà que. Grand système, Azali déjà dans Zéla Naépé, tu vois. Martin Fayulu a refusé au côté d'un groupe. Comme je vous dis, je ne veux pas vous mentir. J'ai demandé, je veux pas mentir. J'ai demandé. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir Félix Tshisekedi ou Katumbi ou Bemba? Moi, je voudrais que vous puissiez comprendre ma démarche. Ouais. Le fait d'être devenue candidate présidente aux élections présidentielles, j'ai compris les enjeux. D'accord. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Et Yangon est le peuple à comprendre au Nazolo Banaï. Nami positionna qui au centre. Pas au centre, il y a un courant politique classique, puisqu'on n'est même pas dans... Nous, on n'est même pas dans cette histoire-là. On n'est pas dans... Tu as un courant politique classique. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Tu as un centre par rapport, il y a majorité, donc qui était le FCC, et puis l'opposition qui était tout le monde de l'autre côté. On a mis position dans un centre, parce que nous avons un message, le message dont je vous parle, de la rupture du système de prédation par la combolisation. Alors, on a ces positions-là qui au centre. Au fond de mon cœur, Nazalaki n'a choix. Naloba ngopé na kati émission, on va poser la question, mais je ne vais pas le répéter aujourd'hui, ça ne sert à rien. Nazalaki n'a choix, il y a mouton, il fallait na kende na épée. Mais à un moment donné, désordre moko et les kaki, non, mais la CENI, ce n'est pas possible. Désordre les akos les kawana, à un moment donné, na lobité, na okenepe derrière moutoumouroté. Comme j'ai une vision, comme Nazan a les kamwako, c'est un peuple congolais, alors on a préféré na tikala, dengue Nazanga moko, surtout que Nazalaki kaka moi singa moko na lobité. Nakota nakati a désordre isolé parce qu'il y avait un désordre monstre derrière les rideaux. Derrière les rideaux, franchement, si le peuple pouvait comprendre ce qui se passe, c'est très grave. Dites-nous, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé, c'est que je suis en train de vous expliquer qu'on parle de système. Oui. On n'a pas une démocratie. Arrêtez de rêver. Il n'y a pas de démocratie.
Il y a un combat que nous devons mener. La démocratie s'était engagée à aller évincer le pouvoir qui était en place, le pouvoir du FCC. Mmh. C'était ça le combat de l'opposition, vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Mais nous voyons aujourd'hui qu'on n'a pas réussi totalement à les évincer. Vous êtes d'accord avec moi? Le système est resté. Le système est toujours là. La racine est là. La racine est là. Donc moi, je parle toujours du pilier, qu'il y a quatre piliers, il y a un pilier qui est tombé. Parce qu'aujourd'hui, on a un président qui vient de l'opposition. Mais c'est là tout le problème, Madame Ifoku. Mmh. Vous défendez les valeurs. Comment vous soutenez, selon eux, un pouvoir de la triche? Ils disent bien que Félix Tshisekedi a été nommé. Et ça, c'est Martin Fallou qui le dit. Alors, vous qui dites que votre pouvoir, vous le tenez de la Bible, vous le tenez du christianisme, le Christ ne supporte pas la tricherie. Comment vous allez supporter la tricherie? C'est l'opinion des autres. Il faudrait qu'on s'explique. Ça, c'est très important, votre question. Permettez-moi de l'expliquer en lingala, parce que j'aimerais que le peuple congolais puisse me comprendre. Allez-y. Je ne sais pas sur quelle base tu as une tricherie. Je vais expliquer d'abord. Il y a un méga système, un sous-système qui est la sous-région, et puis le système qui est devenu le FCC. Et en réalité, tant que tu as une élection, tu as une moto qui a déclaré que tu as gagné l'élection. La CENI, non? Ok. Tu as une moto qui a confirmé que Moto Songo a gagné l'élection. La Cour constitutionnelle. Mm. Bon, Seigneur Nakarandenge Zali, on a des ordres Nango, donc tu vois bien que je ne l'appuie pas. La Cour constitutionnelle telle qu'elle était là, c'était les organes où il y a eu Kolobake Motoboe Songolo a gagné l'élection, n'est-ce pas? Exact. Ok. Alors, Yebisangai, Nani a eu Kolobake Motomosusu a gagné l'élection. Qui peut déclarer que c'est Marie-Josée Ifoku qui a gagné les élections? Parce que moi-même, j'ai vu que même les chiffres, Babimisaki Angezaki à Lokuta. Donc, qui d'autre pouvait dire que telle personne a gagné les élections si ce n'est la CENI? Donc, on parle. C'est d'abord de ça que je voudrais que le peuple congolais comprenne. Ça, c'est le principe d'abord. Ça, c'est le principe. Okay. Bon, maintenant, me dire que Martin Fayoul a gagné les élections, ou Marie-Josée Ifoku Tartampion, je ne sais pas sur quelle base nous pouvons le prouver que telle personne a gagné les élections. Je ne cherche pas à défendre Félix, hein. Je voudrais qu'on se comprenne. Okay. Je vais dans une logique où nous avons une CENI qui est corrompue, où nous avons une Cour constitutionnelle corrompue, et toutes ces ces organes-là qui doivent nous dire qui a gagné les élections. Okay. Alors, à l'époque, en 2006, on nous a dit que c'était Kabila. En 2011, on nous a dit que c'était Kabila. En 2018, on nous a dit que c'était Félix Tshisekedi. Alors, pourquoi tu veux que je puisse combattre Félix alors que nous tous, nous savons très bien que ce groupe qui est là vit de la tricherie? Je viens de vous expliquer que tout ce que nous faisons est superficiel. Tout ce que nous faisons est Zamagambalo Kuta. C'est ce que je viens de vous dire, non? Très bien. Bon, maintenant, on a quatre stratégies. Makon Abisso a eu courage à côté du Kambango à l'hôpital. Ce qui est tricherie, Tony, ce n'est pas grave. Seni te lobi a gagné. La même Seni, Oyokale, lobaki ke Kabila a leka qui t'offre qui nien. La même cour constitutionnelle, lobi ke Félix a gagné. Yebisanga sikoyo. Comme Azali moko na biso na bundise pona nien. Bango lobi fallu garder valeur, valeur en disant que comme il y a eu tricherie, selon Bango, Martin Fallu va gagner qui élection parce qu'elle il paraîtrait qu'il y a un PV. Ça reste encore dans ça, avec une PV, PV, one de l'autre, et à l'objet encore que le peuple congolais tout entier, Banasimalaye, diaspora, Banasimalaye, Banyan, son monnaie, que Félix Tshisekedi, nommé par Kabila. Donc, ce qui est soutenir Félix Tshisekedi, soutenir donc Kabila, et la lutte est comme elle est déjà biaisée. Alors, c'est que besoin de comprendre, on a le Banabino T. La bandeira, il y a un méga système qui décide qui dirige en Afrique. Ça, vous comprendre? Le tableau, on a pour la moment, il est à la bonne côté. Ce tableau-là, pour eux, mais il on a expliqué que Ngaï Moussala Nangaï Naïe Kosala, Sami Nangan a pensé que Zamaram Nansala Sikor. D'accord. Donc, on a eu courage d'en aller demain, mais on a expliqué que Zamaram Nansala. C'est à vous de comprendre que, exactement, on a appuyé tricherie. On a expliqué que nos réalités, puisqu'on a dit derrière les rideaux. Il y a un méga système qui décide, Nani a dirigé. Mais pour la Ni Bango Baibite, Mobutu Nana Tiaki, méga système, tu Kabila perna na mema ki méga système na sous-région. Le fils na mema ki méga système kakate. Na ba rebelle autour ba kota ki wana ba yon soit appuyé par le méga système. Toujours. Ouais. Alors ok, ça tout le monde comprend, c'est bon. Alors on a vu que le sous-sous-système où il s'est constitué à comprendre les enjeux. Yepé à côté na kati a joana. Donc ce que je voudrais dire au peuple congolais, il n'y a pas de démocratie. Arrêtez de rêver. Il n'y a pas de démocratie. Il y a un problème qui est là. On est dans une stratégie. Selon moi, je n'ai pas parlé au président Félix Tshisekedi. Ça, c'est mon entendement à moi, c'est mon intelligence, c'est mon raisonnement, c'est ma stratégie. Alors, c'est ce que j'ai en train de proposer au peuple congolais. De comprendre le fonctionnement de Makambo. Oh, ils ont les cas, on a tout avancé. Alors, ceux qui ont dit que Félix a triché, ils allaient perdre il y a temps parce que toute l'opposition, bah, tellement qu'il faut voir que nous avons FCC, la preuve,
Martin Fayulu a le bac élection, tu crois qu'une élection était à changer qui en dernier lieu. Mm. Vous vous rappelez, non? Parce que ayez bac qui est bango bakosa la batricherie. C'est pas ça? Il y a une autre idée, disons, pensez à bango, balobi que c'est Félix Tshisekedi qui a donné à Kabila encore un nouveau souffle. Parce que pour Nabango, Kabila était déjà fini. Le peuple en avait déjà mis fin. Bon, on a toujours voulu savoir comment, mais il fallait se noter. Mais il y a que Kabila, c'est quoi qui déjà pour un moment. C'est Félix Tshisekedi qui a donné des béquilles à Kabila. L'andang a bien. Là, tu expliques que méga système, tu as décidé qu'en Afrique, tu as dirigé. C'est pas ça? Si, vous êtes d'accord avec moi? Vous avez dit ça, oui. Ok, mais vous êtes d'accord aussi? Je suis d'accord du fait que les Blancs font ça, mais la configuration au Congo... Tu as bien un méga système, gars. Ouais, tu as un méga système pendant... Tout se comprend. Ok, d'accord. Mais, na lingina tout na yo na mayele na yo. Pour na yo, choix méga système ezakina. En tout cas, je suis journaliste, je ne voudrais pas répondre. Mais tu fais des analyses. Si, quand je ferai. Admettons qu'il y avait un choix du méga système. Le choix, bon, possible de répondre rapidement pour la question. Hein. Pour l'angai, choix méga système, tout le monde qui est en mais il y a un bateau méga système, il y a un bateau à plateau à TV5, un plateau à France 24, un plateau à Bastien Nyonso. Bango, on a un bateau méga système. Bagui, choix méga système. Choix méga système. On est d'accord, Nanga. Très bien. Ce qui est l'indique à Martin Fayulu, Natango Baloba qui que Akoleka président. Avant même à l'ECA, est-ce que ça tricherait? Bango ba koma ki après 2 ans ba bandeli l'élection. Mais yo peuple congolais motaponi yo. Pona ni yo ke no bandeli l'élection. Donc ezali peuple congolais motaponi yo te. Tu es d'accord avec moi? On est bien d'accord. Alors c'est ça que je vais expliquer au peuple congolais. Oh Martin Fayulu zako beta, ezaka o bonibo reproché na Félix. Ezan la différence te o bonibo reproché na Félix. Nga eloko nazo trouvé intéressant, nazo expliquer mais on a bien début à rupture du système, il y a rupture du système c'est que l'avènement au pouvoir d'un dirigeant africain, ou particulièrement congolais, et où tu as un méga système. Mais cette fois, c'est où tu es likounaté. Et ça devient intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que, ezabon, ben, y'a pas ça la tricherie. Mais comme, monsieur Tolobaki, que c'est nim d'avoir déclaré, n'en a gagné. Qu'on consonne, t'as confirmé, n'en a gagné. Et c'est mon avis, soyez, y'a bah, confirmé un opposant, Oyo, 37 ans histoire, n'a pas bah, en opposition. Y'a un avis, soyez, ça, les opposants congolais, bisounions, mais comment pouvons-nous le lâcher? Connaissant, la vérité des choses que je suis en train de vous dire, c'est que je vous dis là, peut-être peuple à Salakanango, attention, mais tous les politiciens comprennent de quoi je parle. Mais comment on peut s'attaquer à Félix Tshisekedi? Est-ce que vous voulez nous dire que Martin Fayulu avait été candidat, il y a méga système? Mais vous venez aussi de le comprendre, vous l'avez dit vous aussi? Bah, bon, je le tiens de vous. Oui, mais non, mais vous l'avez dit. On a vu que l'Occident ne donnait la parole qu'à une seule personne. Mais il était même déjà président avant qu'il soit. Je viens de vous le dire. Il était déjà président. Ouais. Il était déjà élu par le système. Donc, à coup sûr, il allait passer. Et puis, il avait donc, il n'était pas encore choisi par le Congolais. Ouais. C'était le méga système qu'il avait déjà élu. Parce que je viens de vous expliquer que c'est le méga système, le grand électeur. Le super électeur, c'est le méga système. Et la sous-région, toi, bah, méga système, il y a des super électeurs. La sous-région, grand électeur. Et puis, ce Congolais, et FCCP a commis électeur. Et puis, ce peuple congolais, on ne compte pas là-dedans. Donc, quantité négligeable. On ne compte pas, on est 30%. Donc, dans tous les cas, on est déjà perdant. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça que je voudrais parler au peuple congolais. Et moi, c'est que je dis, moi, je suis réaliste. Moi, je suis vrai. Je dis, mais si on ne dit pas la vérité au peuple, ils vont se perdre, aller choisir des muscles et non à écouter des idées. Et nous, nous venons avec une idéologie, justement, qu'on appelle la combolisation, pour dire au peuple congolais, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il y a eu un combat de l'opposition contre un sous-système qui était là, qui est le FCC. Nous l'avons vaincu, mais pas totalement. Mais si nous tous, nous nous rangeons derrière Félix, qu'on lui demande son avis ou pas, ce n'est pas important. Pour moi, ce n'est pas important. Parce qu'en se rangeant derrière lui, nous allons l'obliger à marcher selon les desiderata du peuple congolais. Ben, les gens disent... Comment? Les gens disent... Oui, allez-y, comment? Les gens disent... Les gens disent, par exemple, que, comment vous voulez aider quelqu'un qui ne vous a pas demandé de l'aide? Comment vous voulez aider quelqu'un qui continue à être mais allié non, de nous, ces gens-là? Suivez-moi bien. Ouais. On n'aide pas Félix Tshisekedi. On aide le peuple congolais. Est-ce qu'on peut se comprendre? Très bien. On n'aide pas le président Félix Tshisekedi. On aide d'abord le peuple congolais à travers Félix Tshisekedi qui est un de nôtres. Mais qui continue à traiter avec... Mais c'est pour ça que je suis en train de vous dire. Le sous-système. Oui. Nous, moi, je parle de l'institution peuple que moi, je représente aujourd'hui. Et je demande à toute l'opposition de représenter l'institution peuple. Pour une fois, nous avons l'opportunité d'écrire l'histoire de notre pays. C'est maintenant, pas après 2023. Parce que j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi d'Arubo m'a bien sauté. Si quand on mène la révolution douce, il y a pillage, il y a copié, il y a copié, babanda, biloko abatouté, il y a copié malibanda pour nous protester. Au moment où Ronsard Malonda, linga qui a les cas. Mais tango la mouka abimi, tango IDP s'abimi, tango bisogno soto abimi les bandas.
Bazongi sima. Bazongi mais batikite on dirait non, bazongi garder kaka mutu na mango. Batikite mais il y a nos épisodes que ils ont dépendre d'institution peuple. La pression que l'on va faire. Exactement. Ngane ni peuple à comprendre les lots que le pouvoir est bipolarisé, le pouvoir est fragilisé. Aujourd'hui, il y a le cash d'un côté qui est déjà très fragilisé et il y a le FCC de l'autre. Donc personne n'a pleinement le pouvoir. C'est là-dessus maintenant que je dis que c'est l'opportunité maintenant. Cette alternance n'est pas une histoire de FCC de cash. Cette alternance, c'est le combat de tous les Congolais depuis 1959 que nous menons ce combat-là. Et aujourd'hui, ça aboutit par l'alternance pacifique. Et c'est là que j'explique au peuple congolais, nous devons être unis. Quand je dis unis derrière le président Félix Tshisekedi, c'est pas pour faire le dialélo, loin de là. C'est pour le pousser à prendre des décisions selon nous, selon le peuple. Le peuple va aller dans des élections crédibles, transparentes, comme on le dit d'habitude comme un discours. Alors, en mettant cette pression-là, on dit au président Félix, nous le peuple, on te supporte. Nous le peuple, on t'accompagne à une condition que ton mandat serve à aller vers des élections crédibles et transparentes. Très bien. Et tu penses que Félix va refuser? Alors, disons-le comme ça. Vous le soutenez, on met la pression parce que Félix Tshisekedi a la moto nabiso, a comme nabiso tenir au lit. Vous avez la possibilité au salaire bamba, quelle est l'union sur le lit au salaire pourvu que et peut faire mon candidat pour changer. Oui. Alors le lengue nini, disons priorité à AENC, les anini, les anini rupture, on a Kabila. Dans le système, il y a Kabila, auquel cas je parle de rupture de l'animateur Nyoso, il y a Kabila, Topé Zali, élection nano, en 2023. Priorité, ça n'a niveau ni na makanisi na bino. Non, priorité, Ezali, rupture, Ezali, nini. C'est que président Félix Tshisekedi atta la coalition de sous-souté. Atta la libala, on a mis sous-souté. Libala, on a mis sous-souté. Permettez, on a fait ça, passage moro biblique, parce que, notre parti est assis sur, le christianisme. Ngai Lelo, on a s'adresser à président Félix et à peuple congolais, et en même temps aussi, au FCC, ceux qui ont besoin d'amateur à Koyoka, Bayoka. Lelo Félix Abimi Lokola Esther. Bisous to kote ki na kati abitumba moko boye pona muto aponama akomesika moko songolo. Na moni présent fils roi Esther. Bisous à l'époque tozali lokola ba épouse ona nyonso non o bazoni na bakende esika moko songolo. Lelo to komi lokola to changer ce que forme to komi ba Mardoché toute l'opposition pour moi. Nous sommes tous de Mardoché où nous venons dire au présent Félix Tshisekedi. To lingi to rappeler au bitumba na bisous ezala ki to kwesa sous système qui est le FCC. C'est important que je l'appelle comme ça parce que ce n'est pas vraiment les individus qui sont le problème pour moi, c'est plutôt la continuité d'un système qui vient du méga système. C'est pour ça que je vous dis que celui qui était choisi par le grand système, ce qui a place, il n'y a pas un gars qui a les mains liées. La preuve, je vous ai démontré. Terriblement d'ailleurs. Oui, la preuve, je vous ai démontré que parce qu'il y a un gars où tu as un grand système, et déjà, le Baki qui a 2 ans, il y a un l'élection. Donc clairement, ils allaient, quand on l'aime, tu as voté qui était. Ok, donc il faut que le Congolais le comprenne. Nazan a un amour, tout est important pour comprendre. Nazan a la vérité, pour le peuple à comprendre. Alors, les lois, il y a un peuple congolais, un président Félix, et puis un FCC. Les lois, ils sont comme le roi Mardoché. Nous avons été sur une histoire, il y a Esther, rapidement, on a le Baka. Mardoché, Azaki, oncle, il y a Esther, et. Tango Esther, le roi qui était en place, moi c'est Naya à Longwe Libala, il fallait bas la moi c'est Asika. Et moi c'est Asika, bah avec Ponama, Ezaki Esther, parce que Esther Azaki n'a bah Azaki n'a caractère, moko il y a humilité, il y a kososola, oezoko. Elle avait compris, dernière rencontre dans la carte Libala, c'est peut-être que parce qu'Azaki la plus belle, pas Azaki la plus intelligente ou quoi, non. Mais elle avait compris et alors moko biso to comprenait qui était. On doit se le dire. L'humilité du président de la République actuelle. Je trouve que c'est un monsieur humble. Peut-être les gens voient comme de la stupidité, parce que quand tu es humble, on bimako zoba. Bah chinois, bah bimaka humble longtemps. Bah méga système et mon arabe on zoba. Le autre souka bah renverser à vapeur à cause de la humilité. Et moi aujourd'hui quand je regarde le président Félix, nazo mon a humilité na katinaie. Et humilité naie on a monté kumbiye à andi ma coalition na. Que d'autres appellent la soumission. La soumission, tout ce qu'on veut. Mais moi, je vois l'humilité. Moi, je vois l'humilité. D'accord. Et je m'explique. Et c'est comme ça que je donne l'exemple d'Esther qui avait compris, parce que ce n'était pas par rapport à sa beauté, mais à Ebaïko se tenir à côté, il y a Mouto Azalaki Pembeni à Mokonzi pour na Ebaïko Tanakata système. Alors, à côté Tanakata système. Et biso le lot, on a la Mardoché. Biso opposition, à travers le message on a pesa, on a sensibilisé opposition à peuple congolais. Bisous ceci na biso on a zo bakito soutenir président Félix Tshisekedi. Et ça pour te rappeler kaka président Kobo Sanate au kota ki na kati ya coalition ana.
okota ki na kati ya libala wana pona likambo na biso ba man baze ebele ngambo kuna o balingi ba neutraliser biso o balingi ba boma biso yo okota ki kuna po kendo sakana te yo okota ki kuna po okendo sala koterite okota ki kuna po tozo na bitumba moko songolo o esili nanu te alo yo loko tozo na kati ya system tozo senga na yo ke obosa ne tumba na te parce que so ki obosa nyango veve pa en 2019 azong sengi mboka na maboka nzambe veve pa il se passera autre chose alors c'est important pour lui pour la survie naïe politique à comprendre le konazo lobake il faut à se défaire l'alliance wana et ayoka au peuple azolobane le peuple oeza biso comment alors comment vous prévoyez la rupture du système ce qui est le président à tenir bino par exemple à tuer ANC on a eu qui bino lobi ma rupture du système je voudrais savoir comment je fais pour me débarrasser du FCC merci au moins tozo kaka l'air nyoso que tozo kende na na comment dire un nouveau gouvernement Remaniement, tout ça, un nouveau gouvernement. Nga président Félix, non nommé premier ministre, que nous l'occupons sur opposition. Nous avons opposition, nous avons bien tout soutenir, il y a bien Mardoché. Et d'ailleurs, Mardoché, pas souka qui a remplacé Aman, juste pour dire quoi. Donc, nous avons un premier ministre selon choix peuple. Mais ça ne marchera pas parce qu'il est dans un système. Le système politique. Non, il n'a pas noté. La constitution ne le permettra pas. Non, ça lui permettra. Je peux terminer. Allez-y. Mais il peut avoir même un formateur. Parce que le FCC n'existe même pas officiellement. Mais il faut que le Premier ministre démissionne. S'il ne démissionne pas, vous n'avez pas. Il est censé démissionner. Non, je dis bien. Mais c'est toi qui dis on a besoin de l'obabou. On a besoin de l'obabou pour expliquer. Allez-y. L'air a démissionné le gouvernement. On a renommé un Premier ministre venant de l'opposition. On a renommé un ministre majoritairement au Nyo en opposition. Ce qu'on a dit, on a. Assemblée wana tango premier ministre a présenté programme naye à lobo au lekate biso peuple mututo soki soi-disant opona ki mino soi-disant biso peuple to sepeli na muto yo président atie premier ministre biso peuple to sepeli ba ministre atie to moni ke baza mayele to moni ke baza expérience to moni ke basala biso peuple auto pesa ki mino soi-disant mandat to sepeli na so ya sali soko na ina comprendre par quel mécanisme bango ba le bataire relégaté. Vous n'avez pas comprendre. Mais c'est la loi qui ne permet non, pas. Non, la loi, justement, suivez-moi, quand vous dites la loi, suivez mon raisonnement, quand vous dites la loi, je vous ai expliqué que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui a été fait pour satisfaire un groupe de gens. Nous devons renverser la tendance. La seule manière de la renverser, c'est à travers une pression. Oui. Et cette pression-là, je viens de vous l'expliquer, c'est que lorsque le président comprend mon message, il impose à ces gens-là qui n'ont plus le pouvoir en réalité. En réalité, ils n'ont plus de pouvoir de voix, moi. En réalité. C'est juste le peuple qui ne le comprend pas parce que le peuple n'a pas compris qu'il est un grand acteur dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Le peuple est un grand... Si vous avez mis l'Ibanda, vous avez mis l'Ibanda. Oui, parce que le problème, c'est qu'est-ce que vous avez dit, vous avez dit ça dans le modèle, voilà. Vous avez dit ça dans le modèle. Vous avez dit ça pression en AT. Parce que méga système, vous avez dit ça dans le méga système. Parce que méga système, l'homme est un loup pour l'homme. Méga système, c'est le méga système. Pour l'instant, bango ne bazana bazaba wanted. Au moins, aux États-Unis, so mutaza recherché. Bango maga wanted, batie ba photo belé. Na minute FCC azaba wanted. Ce sont des gens recherchés. Au méga système, elingi bango té. Vous comprenez, nga? Donc, ceux qui ba sakani ba yebi que méga système elingi bango té. Biso peuple congolais, to lingi bino pété. Poto bo sali 18 ans to moni lo mwa maloka bo sali te bozo pillé kaka mboka, bo komi ba prédateur, bo komi ba colon, bo komo nyonga biso. Mais je ne vous connaissais pas aussi tranché comme ça. Mais parce que vous m'avez pas suivi au moment des élections puisqu'il y avait trop de désordre. Ouais, franchement. Mais la personne qui vous parle là, c'est qui je suis. J'ai toujours été comme ça. Ceux qui l'élo par exemple, oui. Président de la République, bon. Ngai promis ça ngai taka Marie Foucou on est donc wanted on a peine et comme y appliquer quoi ma oh peuple gars na combo li banda peuple va bien na combo li banda tiens après ministre na mon appelle bon ba yo bois qui sa programme d'abord ils allaient ils te recevront pas bon boy mais na benga peuple soi disant vota ki bango tu na combo si comme tu li banda na benga ka peuple soi disant vota ki bango na est-ce que bino bozo se retrouver na makambo ba loba ils auront peur. Ils sont habitués à manipuler un peuple, ils sont habitués à humilier un peuple, ils sont habitués à violer un peuple, ils sont habitués à abuser d'un peuple à travers, soi-disant, la démocratie. Si on est au côté de la démocratie, et c'est ça que je voudrais que le peuple comprenne, et c'est ça que je voudrais aussi que l'opposition puisse comprendre, que c'est le jeu se joue maintenant. Est-ce que Félix Tshisekedi est une opportunité pour nous, pour la temps ou la haute? Définitivement! C'est ce que je suis en train de vous dire. Lui ne va jamais nous tuer. Pourquoi on ne sort pas dans la rue? Parce qu'on a peur d'être tué, non? Oui. On a connu ça, non? Oui. Mais lui ne va jamais le faire. C'est un jeune président. Lui-même, il dit, Nalingi te boko misanga nzambe. Donc, lui-même, il dit ça déjà. Donc, comme il est encore dans sa jeunesse de pouvoir, il n'a pas encore ces idées-là.
Azana Bolenge, il faut tout profiter si koyo pour ce totika oumela, peut-être à cause changer. Mais comme il est encore à ses débuts et qu'il a besoin du peuple, à cause s'est rangé contre Nabisso parce que son discours, le discours de son père, c'est le peuple d'abord. Et nous, nous sommes cette institution peuple qui est le peuple d'abord. Donc nous sommes comme ça, cette base-là qu'il a. Alors, c'est à son avantage de se ranger vers nous. Parce que s'il ne se range pas vers nous, alors si sa carrière, il y a vie et politique, à quoi enterrer vision à Papa Naé. Et ça serait une grande honte pour lui. Qu'est-ce que l'opposition gagne en suivant cette logique? Mais aller à des élections crédibles, tout simplement. Comment voulez-vous diriger un pays dans la situation de Zangolélo? Comment tu veux diriger? C'est du rafistolage. Tu n'es pas à Bibamba. Je te dis que la maison est en ruine. Donc, ce qui mûre est couéi, l'étau, ça la tête des vies. Il y a ton mur anormal. Tu sais, il devient ton mur anormal, mais tu es triplex. Ce qui fait naître est boucani. Tu sais, il devient ton mur à vitre à solo, mais tu es plastique. C'est ça le pays Congo qu'on est aujourd'hui. Donc, moi, ce que j'essaie d'expliquer au peuple congolais, période de Tosana, on mandat à Félix Tshisekedi, ESA économique, t'es, puisque il n'y a rien de tout ça. Alors, je vais prendre un élément. On est dans ce pays, on a entendu le pasteur Roland Dalot faire je sais pas, une prophétie ou une prédiction ou un lobby que Félix Tshisekedi a dit à Yemdorbouksamouka au TN à 5 ans. Il ne pourra pas. Mandat Oyaye, il a dit mandat, appel Naye, il appelle la justice pour rétablir justice. Mais alors, il a été insulté dans les réseaux sociaux. Les gens ont estimé qu'il a fait des djalélo. D'autres ont estimé qu'il a limité le pouvoir du président. Quel est votre point de vue? Aujourd'hui, ce qui totalise, selon Yomoko, dans l'AENC, comment on définit la politique de Félix Tshisekedi maintenant? Sa mission, si vous voulez, on appelle un mandat, mais Mingi, divinement, il est là pour quoi maintenant? Il obéit à quel schéma? Il est là pour exécuter quel type de mission? La première mission de Félix, il l'a fait, puisqu'on parle spiritualité. Oui. Il a remis le pays entre les mains de Dieu. Beaucoup de gens traitent ça avec beaucoup de légèreté. Le pouvoir s'assoit avec la spiritualité. Beaucoup de temps, l'histoire m'occupe, Mobimba. La spiritualité marche avec le pouvoir. Ceux qui ne le savent pas, bon, on va faire encore du bruit dans les réseaux, mais ce n'est pas plus grave. Nous, on veut parler de la profondeur et de la vérité. Et pour moi, sa première mission, il a remis d'abord le pays. Naïf Sekou tout à l'heure, non? Naïf Sekou, président Mobutu. Alors, il y a une unité nationale. Tilelo, Batoma Yele, Batoma Kass, Batou Puissant. Ils n'ont pas pu nous diviser. Alors que tout le monde a bien qu'il y a un programme, on est à Kiboïté. Il y a une partie à l'Est. Mais à cause d'une parole qui règne sur une nation, eux, ils vont se rendre compte que la parole a une puissance. Ils vont défendre la Bissau. Vous comprenez? Naïf Sekou, que Kabila perd à l'Obaki. Ne jamais trahir le Congo, parce qu'il savait pourquoi il a dit ça. Il savait d'où il venait. Il savait. Alors, il ne jamais trahir le Congo. Il n'est pas fan d'ici, à baxer sur le Lobam Soussou. Oyo, au moins, bon, vous avez trahi, vous avez mis un modèle de nuance, mais vous avez Simba Kakate. Kabila, il n'y a pas lobby, non-ingérence. Ton ressort, ma m'a dit, c'est un dingue, c'est un bison. Ton sali, on a bousoba, on a triché, tout ce que tu veux. Ça donnait un bel élan à la fin. Ça donnait quoi? Un bel élan à la fin. Oui, c'est ça que je vous dis. Non, donc, si quand une parole, comprendre, Ngabia, quand une parole est sortie d'un chef de l'État qui est le garant de la nation, qui est le père de cette nation-là, et Fandar Namboka. Président Félix Aye, à l'obi, n'a zongi simboko na maboko à Congo. Et là, on zamba zaro zela. Nzambe, n'a zongi saba chrétien, otose ebene namboko yo, à quoi bimela biso pour saboete. Il doit toujours agir à travers un homme. Et ce sont ces hommes-là qui se considèrent chrétiens et ces femmes-là comme nous, comme d'autres qui le sont, au Bazon Dimela, on est au Kambara Mboka. Dans le bien, on a écranté. On est au Kambara Mboka parce que les fans disent que c'est la vérité. On a un souci parce que la chrétienté, en fin de compte, c'est une nouvelle vie. C'est l'amour du pays. C'est pour ça que je te parle de la renaissance de notre État. Notre vision, ils allaient pour nous, Bissomoroba Congolais, pour nous déclarer un nouvel État. Bissomoroba Congolais. Et c'est ça qui est important pour nous. Donc, mission, il y a Félix Tshisekedi, comme je vous ai dit, à remettre dans le monde à la Maboko en Zambie. Deuxième mission, est selon Ngaï, ils allient que Asala tout qu'il doit organiser une élection crédible et transparente. Et il peut le faire. Parce que là, il aura le poids du peuple. Et quand tu as le poids du peuple, Moutounion soit à banque insurrection à peuple. Ce qui peuple abîmé, n'a pas dit que c'est bon de tirer. Vous serez toujours candidate en 2023? Je ne sais, ça dépend de tout ce qu'on est en train de dire là. Il y a beaucoup d'enjeux. Je ne peux pas le dire comme ça. Mon plaisir est major aujourd'hui, c'est que je peux parler et le peuple aussi peut écouter un autre son de cloche. Donc moi, je suis un autre son de cloche. Je sais, oui. Est-ce que Kabila, de sa place, doit être en prison ou en liberté? Selon la justice, elle devrait être en prison. Mais selon, quand vous parlez de la liberté, moi je voudrais dire quelque chose à Kabila. Je vais en profiter ici dans votre émission. Allez-y.
Comment lui faire passer ce message-là? Il faut le dire en anglais ou en français? Non, non, en lingala. En français, à Régna, on dit que c'est en lingala. Mais le président Félix Tshisekedi, puisqu'il est dans l'autorité morale, il y a des gens qui sont en Goumba. Tu es à FCC, non? Goumba, c'est Kabila. Kabila. Ah, d'accord. Ah, Kabila, plutôt. L'ancien président Kabila. Il y a des gens qui sont en Goumba. Il y a des gens qui sont en Goumba. Il y a des gens qui sont en Goumba. Il y a des gens qui sont adressés à 10%, 15%, 20% de l'homme qui sont en Goumba. Le président, l'ancien président Kabila, a un intérêt, il y a une repentance vis-à-vis du peuple congolais. Naïe na bat naïe. Parce que c'est la seule manière pour eux d'être sauvés. Ce n'est pas derrière Félix Tshisekedi qui va vous sauver, c'est derrière le peuple congolais. Il a intérêt. Même si on dit, Baza va wanted. Baza va rechercher. Donc, Kabila Baza wanted. Mais Baza wanted, puisque ce qui méga système est lingueux sous soutien. C'est ça de ça que je parle, non? Obimi wanted. Puisque Baza maïe. Baza naïe maïe. Donc, Kabila, le bisson, on comprend bien. Kabila Baza a 20% à vous. Il y a un moment malam. Naïe bité ce qui. Naïe bité. Naïe bité. Naïe bité. À cause de peut-être 30. Mais tout le monde peut être dans la tambourité. Pourquoi nous avons assez? Naïe assez pourquoi? Parce que 18 ans, Kambim Boka. Mais bisson, on a dit, le moment important, le baki. Et l'autre point a raté na ba mandat na yezali a réussi à changer le peuple congolais était transformé mais biso to monde qui ndenge ya côté là qui na ndenga za lelo biso to sungia za transformer à vivre vie mora bien mais yé muto a lingi batou muto a lingi batou a s'occuper na bango parce que contre biso na Kabila muto a transformé là yé ay yé nda transformé donc biso to ba transformer to transformer tête on nyoko makaka nzala kaka bikedi di mikolonyo so donc muto a lingi batou a s'occuper na bango so lingi bana no robunda batanga bien Okobunda balia bien, c'est ça non, ma politicien. Oui. Batanga bien, balia bien, bas en santé bien. Bon, nous sommes en Congolais en haut, mais hier ce qu'on a moins c'est la banne. Yo pour nous le bini. Balia bien te. Bon, on a tout le nom. Batanga bien te. Banne batanga dans l'école américaine, puis on va Congolais dans l'école dans l'école publique, on va passer, bah enseigner dans l'école, on va foutre à maga bien te. Ce qu'on y a le bini que on va changer batanga, mais il faut le faire ça bon bolingo. Il fallait traiter bango bien pour na sigo mona ko changer bango ko changer mon tes allées éducation aux opsae bon il y a comme ça Congo le quoi kinga kati et comme exactement yo mon te le bien kitoko mais on s'occuper na gozoka bani mama aux même bango de partout dans le monde en bon on a biso parce qu'hier quand même na bon côté non il dit qu'il a mais il a été président pendant 18 ans mafuta ki est mais comme président on ne devient pas riche au moins aux zol babo et puis ngama wa quand j'entends les Congolais dire ça mais être un politicien c'est pas de business c'est pas des affaires son salaire bon qui salaire a été Bobagi salaire n'a été. Il a dit lui-même qu'après le mandat, après le pouvoir, il va faire ses fermes. Il en a tellement beaucoup. Alors que alors ça la journalisme paye. Donc il n'en a pas besoin. Mais en gars, la ligne naïve, c'est que l'or manque. Ceux qui attendent attend qu'on réfléchir. Ceux qui m'ont bonzamé pesant à quatre. En gars, le rôle n'azape évangéliste, n'azape muto à ligne zambé mingi, n'azape évangéliser na RE. Mieux vaut pour naïve, c'est comme je parle de la nouvelle naissance. C'est ça un homme congolisé. C'est un homme qui est né de nouveau. Pour nous, bonga et bonga comprendre que au moins les bazar recherché dans le bibi bato FCC mingi bazar ou wanted bazar va rechercher c'est mieux pour la bango basa la repentance na peuple congolais en faisant quoi exactement kosenga pardon karanan pardon peuple congolais a muto abomara penza abomara te hein na nature na biso tout ça va bomiter kosenga pardon et qu'on reconnaître que na moni que na kambi bino mais na moni que bosepelite na singi bino bolimbis bosunganga donc il fait une repentance sincère et je me retire des affaires comment dire, de l'État. N'a s'est retiré totalement. Pas au nez, n'a s'est retiré, Zatin. Tout le monde a bon micro-onion, ça, vraiment. Mais c'est le temps des jeux politiques, maintenant, l'Assemblée nationale. Ils ont la majorité parlementaire, ils ne vont pas la laisser quand même. Il y a un raison expliqué. N'y a son ali, bibamba. Ils ont un malokuta. Donc il faut qu'on se reconnaisse. Qu'on reconnaisse soit accepter que. Mais il y a un écran prophétique. Tu comprends, il y a un donné pouvoir. Il y a un prophète dans ce pays qui a dit que Moni Kabila, il y a un bon Nzambe bisi ce qu'on dit mon bisi qui est monté. Bon banzambe bazé belé hein. Banzambe bazé belé. Tu es binzambe nous a bisi qui était, tu comprends? Mais il y a un rappel à lobby. Peut-être que oh il y a mon à cause à mon à solo parce que aux abuzo bana bisi wa congolais parce que tu comprends que moi qu'on a bisi dans la carte à bouki déjà le colo. Ce qui bisi to sungete, est-ce possible professionnel comme un solo? Réfléchis bien. Ce qui baké ba kwesi lelo Félix. Na tout na rango toujours attendre tout na yaya na Martin Fayulu. Na bien en tant que grand frère. Na tout na kaye pendant la vie lelo soki ba ko ici Félix yom to ya un pouvoir abi ben il a répondu à cette question allo bini italiété za ezala tambo momba ezala Kabila ezala Félix c'est que di po na bango al bazai lo komoko donc ça ne passe ba yana lo bino siko l'air ba ko ici au moins que e comme siko to komo bimsa n ce n'est pas bien parce que to zong si ba to na pleinement alors que aujourd'hui
Si tu as dit que tu as dit que tu as dit que Félix a dit totalement na bango penza te. Et bison de nazo expliquer aux institutions peuple. To chaye poa a tout na biso te etali biso te. Biso to telemi parce que nous sommes l'institution peuple, to za ko se retrouver te na bato bazan na pouvoir, ezala ba sénateur, ezala ba député, ezala ba gouverneur, biso to mona chona biso na kati wana te. Alors to décidé to chaye poa une seule condition. Élection na 2023, et zala, ma véritable élection que le meilleur gagne. C'est ce que nous demandons au président Félix Tshisekedi. Et ezali pe ezali nzela ya kobimisa mutu parce que peuple congolais bandolo tate que nzamba okita yemoka c'est pam 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 les choses changent. Banana yo kutu place a utelaka ba juif ezalaka bo ipona bangote. Donc nous devons comprendre qu'on doit aller avec une stratégie. L'opposition doit être unie. Le combat n'est pas fini. On doit continuer le combat. Mais l'opposition ne peut pas être unie parce que vous n'êtes pas, disons, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Yo, par exemple, le lobby, soutenons pas Félix Tshisekedi pour faire le Djalelo, mettons-lui de la pression pour qu'il change sa manière. Oui, de mais faire l'air basé au Kangaï. Bon, Babo Yango. Babo Yango, t'es. Non, mais Fayou, Babo Yango, l'institution. Fayou n'est pas le seul opposant, s'il vous plaît. Il dit, il est le père aujourd'hui. Ouais. Il dit que c'est lui qui a la grandeur. Oui, mais ça, c'est lui qui le dit. Il y a trop. Jean-Pierre Bembazan, Azan Akati Alamouka, non? Moïse Katumbi, Azan Akati Alamouka, ce sont. Ce sont eux les vrais poids de l'amour, quoi. On ne se le montre pas aussi, hein, qu'on avance un peu, qu'on soit sincère entre nous. Donc, on est un véritable poids. Pourquoi on sensibilise ceux qui sont là, tu sensibilises Moïse Katumbi à comprendre tout ce que tu sensibilises Jean-Pierre Bemba, tu sensibilises l'opposant Nyon Soamakas et Amokoyo. On se dit, bon, Martin, il fallait raconter ce parce que vous dites qu'on se le dise quand même. Disons, qu'on se le dise aussi. Aujourd'hui, vous n'allez pas négliger la popularité de Martin Fayoulou. Aujourd'hui, Martin Fayoulou peut faire face à qui qui d'autre à Katumbi à Bemba, il a dit clairement qu'aujourd'hui il n'est plus à négliger. C'est quelqu'un qui aujourd'hui inspire confiance et je n'invente pas. Batonaye balobi que Katumbi au téléma télé sous le nom de Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba au téléma sous téléma Martin Fayoulou. Il y a un an à répondre. Il y a Sengi Balongo la Félix. Na répondre na peuple congolais. Question posée un an à répondre na peuple congolais. Na ligne peuple congolais il y a moko ayo kaka biso. Quoi biso peine aux alliés. Tu aurais pu comme ça moi bah. Ba cop na biso ba croque en jambe de ba congolais ba le rapport on s'est retrouvé mais ba yoka pe bato bazona na bolingo ba yoka bato bazona na imemia bato bazona na humilité o bangi ba mema biloko sans trop de casse hein o bangi ba mema biloko sans trop de casse ba yoka bango pe ko kende na boye et kumba biso na kati ya victoire yo Martin Fayoulou nga kumba la biso te na rien à faire na o te démontrer yo que bango pe ba landate lui il venait du méga système et le méga système ba prévoyait que dans deux ans, on refait les élections. Qui a décidé ça? La constitution congolaise? Je te pose la question. Même pas. Même alors, pas, la alors, même pas le peuple. Mais alors, personne. Maintenant, je te pose la question. Alors, d'où vient ces deux ans-là? Alors que le peuple aussi réfléchisse un peu, non? Donc, ça veut dire qu'on s'en gagne une élection selon le méga système et que, bon, on a dit déjà que dans deux ans, Teto Bandela Poto s'est retrouvé pour corriger les choses. Oui, mais c'était. Alors, donc, si c'est le peuple qui t'avait choisi, la constitution ne prévoit pas qu'on refasse les élections dans deux ans. Donc, alors, je veux que le peuple comprenne que. On est dans une histoire où on est pris en otage. On est dans une histoire où il y a des systèmes, des méga-systèmes, des super-systèmes, des sous-systèmes et des sous-sous-systèmes. Il n'y a pas de démocratie. Arrêtez de rêver, peuple congolais. Le vrai poids de la Mouka pour le Biza. Ben Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, c'est ça les vrais poids de... Ça serait là, Martin Fayoulou n'est pas un vrai poids. Non, Martin Fayoulou était un poids en 2018 parce qu'il était soutenu par l'opposition et toute la... C'est ça, il était soutenu par cette opposition-là. Ouais. C'est pour ça qu'il était un grand poids. Mais il doit faire preuve d'oubli de soi. C'est pour ça que je te parle du christianisme. C'est pour ça que je te parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on s'oublie pour l'intérêt des autres. Est-ce que moi, Nabetel Félix, tu sais qu'il m'a bon, on a ramené sa salle. Non. Mais je trouve que ce n'est pas ça qui est le plus important. Le critiquer sur toutes ces choses-là, c'est ça le moins important. Et puis, ça nous explique que, il y a un système qui est là que nous devons détruire. Et nous devons détruire ensemble. Ce que tu détruis ensemble, peuple, ce qu'on a dit, poids. C'est ce que j'explique au peuple congolais. Tous les poids, si quoi, trois ans, tous les poids. Poids pour la requête, système nyonso, nyonso. Système nyonso. Donc, maintenant, comme Félix Azar, on a organisé l'élection à solo. Tolingi n'était pas mukwege basa ba président sénat. Tolingi n'était ba intellectuel n'a besoin basa la diaspora. Ba kota na kata ya na sénat na séni. Nous avons des grands intellectuels qui sont dans la diaspora. Mukwege basa président séni. Exemple, on sait déjà que haha, togo là on a pété. Son a kota na ko gagné. Totié ba 10, les 13, ils sont à 13, non? Oui. Les 10 là, des partis politiques, ba longwa. On ne veut même pas de ces 10. Vous imaginez que vous pensez comme moi? Il y en a le but que, pour l'angai, tu as amené 3 de la diaspora, mais des grands, des professeurs, il y a des gens sérieux dans la diaspora. Oui. Donc, on ne peut pas mettre encore des politiciens dans la CENI.
Parce que la CENI qui on est censée... On a vu le résultat trois fois. Exactement. Alors, on doit absolument changer. On doit absolument changer. Donc, les partis politiques ne peuvent pas se retrouver dans la CENI. C'est l'autre camp adversaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la CENI? Et qui choisit les partis politiques qui sont là? Les 10 partis là, c'est qui? Qui décide que c'est eux? Donc, eux ne peuvent même pas être à la CENI. Tu comprends? Donc, président Félix Tshisekedi, il faut que les combos. Les lots sont au lobby, hein? Moukwege Mtazali, président à la CENI, n'a pas oublié. Bah, tous les gens vont dire il est proche de vous, hein, il est proche de l'opposition, il est proche de Félix Tshisekedi, pas lui. Balingi Batcha Moutoua à l'église. Non, c'est un exemple que je donne. Oui. On peut trouver quelqu'un de. Moi, j'essaie seulement de dire il y a des gens neutres. Et il y a des gens, il y a moyen. La CENI est un organe beaucoup important pour l'Abisso, pour la démocratie l'Abisso. Donc, on ne peut pas jouer là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit que. Peuple congolais mis son aïe et en a makamoussouté. Peuple congolais tâte aux obunda en actualité et en a tine à mon côté. Combat n'abisso et zali qu'organiser les élections de 2023. Et organiser les meilleures élections possibles. Et je pense, si je peux dire encore une dernière chose, ça serait ça, la réussite du mandat de Félix. Organiser les meilleures élections. Et qu'on tire là qu'à souvenir d'abord pour son propre père. Et lui-même, il pourra rester en vie politiquement. Il y a bien beaucoup de choses qu'on devrait en principe en parler, mais il ne reste plus que pas beaucoup de minutes. Mm-hmm. Je termine avec une question, ça va peut-être déranger ou pas, mais vous êtes une femme. Mm-hmm. Pourquoi vous ne soutenez pas Madame Mabunda, qui est une femme comme vous? Mais ce n'est pas une question de femme. On est dans une situation où les femmes sont instrumentalisées. Madame Mabunda, mais arrêtez un peu. Madame Mabunda est une femme très intelligente. Madame Mabunda, c'est une grande sœur. C'est une femme que je prends plaisir à suivre, à écouter. On sent de l'intelligence en elle. Mais le problème, c'est qu'elle se trouve dans un camp. La preuve, au début. Dans le sous-système. Dans le sous-système, c'est ça le problème. On a vu quand Kabila l'a choisi. Elle a dit, elle remerciait le président de la République alors qu'il n'était même plus là. Donc vous voyez, l'autorité morale a pris trop de place. Il continue à régner alors qu'en réalité, il n'est plus là. Vous avez oublié qu'Alataka, comment on appelle ça? Français bien. Un signe, c'est un signe, il y a Lungi, Joseph Kabila, président de l'Assemblée nationale. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire, non? Est-ce que vous allez faire ça aussi un jour? Non, moi je ne suis pas dans les dialogues, je vous ai dit ça. Je suis quelqu'un, j'ai ma liberté de penser, et ma plus grande liberté, c'est d'être devenue une véritable chrétienne. C'est ça ma plus grande liberté. C'est pour ça que je n'ai même pas peur de tout ce dont les gens ont peur. Tu vois, les gens m'appellent des fois, « Oh, que bana biloko zolo baona, que bana vina. » Je dis, tu sais, en réalité, en tant que chrétienne, ma chair est déjà morte, mon âme aussi. C'est mon esprit qui est en vie. Et c'est ça que je préserve, cet esprit-là. Donc, c'est celui-là mon combat. Alors, bref, soutenir Madame Mabunda, oui, si elle était indépendante, parce que c'est une femme intelligente, c'est une femme que j'admire. C'est une femme, d'ailleurs, qui m'a aidé même dans certains combats. Donc, je n'ai pas un problème avec la personne Mabunda. Le problème, c'est là, dans le camp dans lequel elle se trouve. Comment dire, intelligence là. Donc c'est tout simplement ça. On va terminer. Quel est votre, selon vous, le secteur qui avance sous le mandat de Félix Tshisekedi et celui qui ne marche pas? Et quel conseil vous donnerez au président de la République pour améliorer les secteurs qui marchent? Pardon, les secteurs en échec. Ben, ce dont je parle aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est dans le rafistolage. Hein. Peu importe ce qu'il fera, c'est du rafistolage. On est dans un rafistolage puisque le pays est une grande maison, est un château en ruine. Donc peu importe ce que le président Félix Tshisekedi fera, ça n'aboutira pas trop. Parce que si je pouvais lui donner un conseil, moi je trouve qu'il devrait s'atteler sur l'eau. Je trouve ça incroyable. 60 ans d'indépendance, chez moi j'ai pas d'eau, moi. J'ai mis une citerne. Le courant, l'électricité, moi je pense que c'est là-dessus qu'on devait s'atteler. L'eau, l'électricité et l'agriculture. Pour moi, ça aurait été ça les urgences, que peut-être il n'est pas encore trop tard, qu'ils mettent l'accent sur l'agriculture, que le peuple congolais puisse manger à sa faim. Mais je vois qu'il est en train de mener le combat d'un état de droit. Ça va être très difficile. Si je peux me permettre de faire un combat, qu'il le fasse, c'est pas mauvais. On est toujours dans le rafistolage. Qu'il le fasse, mais ok, qu'il le fasse, qu'il avance avec ça, mais qu'il aille vers l'agriculture. Moi, j'ai dit toujours, un état de droit sans état, ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord construire un état avant de parler d'un état de droit. Alors, on va terminer. On s'est compris. Vous allez regarder la caméra, et puis moi, je poserai des toutes petites questions. Vous me répondez brièvement. Kabila Joseph, prison ou liberté? Bon, si je réponds spontanément, je dirais prison. Quel est le parti le plus dangereux dans ce pays? Le PPRD. La plateforme la plus dangereuse? C'est facile, c'est des questions des enfants de l'école primaire. L'institution la plus désorganisée dans ce pays? L'institution la plus désorganisée. Oui. La plus désorganisée. Oui. Elles sont quasiment toutes désorganisées, mais le Parlement. Le Parlement. L'intérêt de la population sur la coalition FCC-CACH, évalué à terme de pourcentage,
Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que quel est l'intérêt que la population accorde à cette coalition FCC-CACH en termes de pourcentage? Aucune. 0%. Aucune. Aucune, si ce n'est l'entrée de Félix Tshisekedi dans le système. Aucune. Est-ce qu'il faut retourner à 11 provinces ou il faut regarder le 26 provinces? Non, ce n'est pas une mauvaise idée, les 26 provinces. Moi, j'ai été gouverneur d'une de ces nouvelles provinces. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est juste la manière dont ça a été fait. C'est toujours pour des intérêts politiques. C'est plutôt ça le problème. Retour à deux tours aux élections. C'est clair. Un seul tour. Deux tours, c'est clair. Faut-il... On ne peut pas aller avec un président qui est élu à 5%. Hein? Avec un seul tour, on peut avoir un président qui est élu à 5%. Que dites-vous de ceux qui pensent qu'il faut élire le président au niveau du Parlement, pas au suffrage universel direct? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est toujours le sous-sous-système qui continue à vouloir œuvrer dans la tricherie. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Peuple congolais, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas. La situation sécuritaire à l'est du pays, qui en est le responsable? Kabila ou Félix Tshisekedi? Non, il ne faut pas le voir de cette manière-là. Moi, je ne dirais pas Kabila ou Félix Tshisekedi. Je vous ai parlé, il y a trop d'enjeux à l'est du pays. Trop d'enjeux. Citer déjà Félix Tshisekedi, c'est ridicule. Félix Tshisekedi a trouvé cette situation-là. Mais Kabila, lui seul, je dois être aussi sincère. J'ai dit que j'étais aussi une chrétienne, donc je ne pense pas que c'est Kabila lui seul. Kabila vient de cette situation-là, sûrement, mais ça a commencé depuis 1994, à l'époque déjà de Mobutu, qu'on a commencé ce problème-là. Donc, le problème de l'Est, ce n'est pas un problème d'un individu. C'est un problème d'un système encore. Recensement avant élection ou c'est un faux débat? Non, ce n'est pas un faux débat. Sincèrement, je ne trouve pas que c'est un faux débat. Je ne sais pas combien de temps cela peut prendre. Ça peut aller très vite. Hein. Ce n'est pas un faux débat. On devrait le faire. Recensement. Alors, je dis recensement. Parler aux Congolais et aux nombreuses personnes qui nous suivent à travers le monde, si les gens devaient retenir cette émission, qu'est-ce que le Congolais doit faire aujourd'hui pour que les choses changent? Vous avez la parole. Je parle en lingala ou en français? En lingala, c'est en beaucoup lingala. Mieux. Comme ça, vous avez tout. Pour na makambo échanger, na lingibo comprendre vision na biso ya kombolisation, ezali comme mamboka na renaissance, na mbotama esika, comme la chrétienté. Mbotama esika ezali ko sunga pays que ba congolais bango moko ba bota mboka na bango. Donc biso moko to bota mboka na biso en tenant compte de notre environnement, en tenant compte de nos ressources, en tenant compte de notre culture, de nos traditions et tout créer une nouvelle constitution en respectant toutes ces choses-là et petit à petit avoir des nouvelles lois selon mboka na biso, selon ba préoccupation na biso. Donc voilà, ngana lingi na biso peuple congolais toza obligé pour na vraiment mboka et qu'il est de l'avant. Il faut au Bouka, le pays qui est actuellement en ruine et qui est en train de perpétuer le système Yabakolon à travers un groupe d'individus qui est assis là. Et regardons-nous en face, et j'invite aussi même le FCC, j'invite tous les acteurs politiques congolais, prenons le courage à deux mains, regardons-nous le droit dans les yeux et prenons le courage de détruire le Congo actuel et allons à une nouvelle déclaration d'un nouveau Congo avec de nouvelles lois qui tiendra compte de nous, de qui nous sommes devenus aujourd'hui. Donc, on tiendra compte du discours de Mobutu, de l'authenticité. Donc, nous ferons recours à nos traditions et nous tiendrons compte de qui nous sommes devenus aujourd'hui dans la modernité. Donc, c'est un peu ça que je pourrais dire au peuple congolais. Alliance des élites nationales, des élites Alliance pour des élites un nouveau Congo. Pour un nouveau Congo. Comment on fait pour adhérer? Ah non, mais c'est facile, nous avons le parti politique. Je peux dire, donner le numéro? Il n'y a pas de problème. Donne-moi le numéro. 097 49 74 895. Donc les gens peuvent nous appeler à ce numéro-là et puis nous leur dirons comment ça se passe. Bon, sinon, on a un site aussi. On a un site, ils peuvent aller voir sur le site. On a aussi des pages Twitter. Ils n'ont qu'à taper ANC et je pense qu'ils vont le trouver dans les réseaux sociaux. Moi, alors, sinon, pour les jeunes femmes qui nous suivent à travers le pays, les femmes, celles qui étudient encore, qui pensent, comment on fait pour devenir Marie-Josée Ifoko? C'est oser, c'est aimer, hein, oser aimer les autres, s'oublier pour l'intérêt des autres, parce que la politique, c'est un apostolat. Hein. Donc, nous, quand nous allons mener cette politique dont je vous parle, la politique, on ne pourra plus se faire de l'argent comme on le fait aujourd'hui. Donc, je voudrais tout simplement dire aux jeunes filles qui sont là, d'oser quitter la zone de confort, qui est une zone où elles sont habituées à vivre, comment dire, la même chose tous les jours, mais de prendre tout simplement le courage. C'est une question de courage, c'est une question d'amour, surtout pour les autres, d'oubli pour les autres qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Donc, je voudrais tout simplement leur dire d'aimer. C'est déjà la femme, naturellement, c'est quelqu'un qui aime, qu'elle exprime qui elles sont vraiment en elle. Elles verront qu'elles pourront devenir des Marie-Josée Foucault.
C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission Face à Face. Je reçois pour la première fois Madame Ifoku. Je crois qu'on pourra en parler parce qu'on n'a pas parlé d'abord, on n'a pas vraiment parlé de ce qu'elle a fait comme étude, parce que ce qu'elle a fait comme étude se retrouve aujourd'hui comme des vrais problèmes de notre pays. Le problème du pouvoir, les problèmes d'administration. Vous savez très bien qu'on a des problèmes très sérieux d'administration dans ce pays. Je crois qu'un autre jour, on reviendra pour parler de ça. Comment allier ou comment mettre ensemble le pouvoir et l'administration dans ce pays pour recréer un pays fort, un pays prospère, un pays loin de slogans creux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci. Plus précisément, la carte de Washington. Balobi, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Balobi, shop, Africa Union. Mais quand t'es un gnosso, il y a un yo congolais. On y dit, mais qu'on a yo, à ça, il s'agit de te. Pour la Corée, la yo, comme avant de la yo. Pour la Toto, la yo, comme il y a les. Pour avant de la yo. Balobi, bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à coup sinon vous voyez pas y a sinon vous voyez rien. Mon combo. Alors t'es bio quoi y a mboka. Y a fresh. Y a bio. Bio na bio. Bio na bio. Si on a mangé le poule mon canja isali. Barubi nzomo y a rien. Et Cuba paniwa. Barubi nzenze isali. Ça combat canja isali. Mboto y a mbise. Barubi niama y a mboto y a mon combo c'est la gagne. Kala ngando ne kala ni na basi. Sous-titrage Société Radio-Canada.